En République démocratique du Congo, 527 détenus ont été libérés samedi de la prison centrale de Makala. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a annoncé cette libération accompagnée de la remise de 2000 matelas sur les 7000 commandés. L'objectif étant bien évidemment d'améliorer les conditions de détention. Les prisonniers réunis dans la cour administrative ont promis de ne pas récidiver. Alors que les conditions de vie à la prison centrale de Makala sont souvent décrites comme inhumaines, avec environ 15 000 détenus pour une capacité de 1 500, le ministre a souligné les efforts pour réhabiliter le centre de santé de la prison et les pavillons afin de désengorger et rénover l'ensemble de la maison d'arrêt. Une nouvelle prison devrait également être construite dans la commune de Maluku pour alléger la surcharge de Makala, construite en 1957 et seul pénitencier civil de la capitale.